d'humour AKM, encore la culture qui s'exprime mais avec un message fort à l'arrière. Une culture que nous voudrons encore revaloriser ce matin en vous parlant bien évidemment des calebasses. C'est avec François. Good morning, dear listeners. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'espace culture. Sur espace culture, la dernière fois, nous parlions bien évidemment de cet arbre qui donne la calebasse, qui vous permet d'avoir des calebasses. Nous l'avons appelé le calebassier. Alors, le calebassier, mesdames et messieurs, nous vous parlions bien évidemment la dernière fois que c'était un arbre qui vous permettait d'avoir les calebasses, je le précise encore. Alors, pour ce matin, nous allons vous parler de la culture du calebassier. Alors, comment cultive-t-on le calebassier et quels sont les endroits appropriés pour pouvoir cultiver cet arbre et qui nous donne ce joli fruit? Alors, le calebassier, lui, est facile de culture. Oui, il demande une exposition ensoleillée, un peu de soleil bien sûr, un sol de neutre à basique. Alors quand on parle de sol neutre à basique, c'est un sol qui est un tout petit peu sableux. Oui, c'est un sol qui est un tout petit peu sableux. Les ingénieurs agronomes en savent véritablement quelque chose. Connaissant bien évidemment une certaine fraîcheur, mais avec un bon drainage. Alors donc, comprenez que le calebassier a besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on vous parle véritablement d'un sol qui a besoin de fraîcheur. Alors, les apports en eau doivent être réguliers. Et bien que Crescentia cujete, c'est son nom scientifique, soit capable de subir quelques sécheresses. Donc, même en cas de sécheresse, le calebassier arrive quand même à tenir et à vous donner des jolis fruits. C'est vrai qu'en ce moment, la production ne sera pas exactement ce dont vous attendiez, et si c'était bien évidemment en période d'eau ou dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, mais seulement vous aurez quand même une récolte qui n'est peut-être pas très bonne, oui, qui n'est peut-être pas très bonne, mais la qualité du fruit sera. Alors, l'arbre nécessite de la place dans le jardin pour être beau. Le jeune arbre à calebasse se travaille pour obtenir une couronne plus régulière et une belle silhouette. Le jeune tronc peut être mené un peu plus haut que naturellement en notant les jeunes ramifications basses. Alors ces ramifications qu'on a par jour, pas seulement trois fois, plusieurs fois par jour, question de donner à cet arbre
l'eau nécessaire, la quantité nécessaire pour pouvoir aller jusqu'à floraison et vous donner les fruits dont vous avez besoin. Donc, pour nous résumer, mesdames et messieurs, sachez tout simplement que vous avez deux possibilités de culture, soit en interne, soit en externe. Et en externe, la zone de culture doit journée et surtout n'oubliez pas la culture attitude. Eh bien, nous continuons de la garder, la culture attitude, pour bien sûr dresser le tapis à son tiers qui est déjà là. Bonjour. Good morning. Comment vous allez ce matin? Ça peut aller. D'accord, ça promet super bien. That shows how this thing is like. I know so many people don't know about this. They'll be wondering now what it is. Especially people of today who know that they just go to the market and buy spices and cook. They don't know that the spices, they need a lot of constitution. They need to find some and make before they mix them together. So Kevin, I promise we talk about antioxidant today, and I want to fulfill that promise. So I tell you viewers, for antioxidant today, what you need to retain is that this particular spice helps to moisturize the skin. Yeah, it helps you with the skin. You should not just know that because the spices taste nice in the food, that's exactly why people eat it. No, it is extremely good for your body. It increases muscles movement. It helps with muscles movement. Yeah. It equally promotes wound healing. If you have a wound that is retarding to get healed, faciliter pourquoi pas la cicatrisation de avez compris, un véritable médicament pour être toujours en forme. Ça va également réguler votre fonctionnement, le mécanisme de votre organisme et tout simplement vous aider à maintenir la forme. Merci. Thank you. Alors, y a-t-il une honte pour une femme divorcée de retourner vivre encore avec ses parents?
What does she have to go to? Well, I don't think there's another, even if she wanna live alone, right. She's still going under her, it's not as if she's still under her parents. Right. There is no problem with that, except that the society sees it differently. It sees that when you're already a divorced somebody, it's already a big problem. Be like, no, you've left your home, and this or that has happened. Mm-hmm. But I don't see any problem with that. D'accord, il n'y a pas de problème. Yeah, en tant que parent, vous avez votre fille qui a divorcé, elle revient à la maison, ben, ça va. It's no problem. Where I want her to go to? If it's that the marriage is not going, come back home. D'accord. I will not want to lose my child because of anything. Avec ou sans les enfants? Yeah, with or without the children, I don't have any problem. Her D'accord. life is important to me than any other thing. D'accord. Ici, c'est elle le problème du divorce. There's no problem. It's still my child, not for my child. D'accord. Vous n'allez pas jeter votre enfant, c'est normal. Une parole de mère, ramener l'enfant, parce que dans tous les cas, c'est sa maison aussi. Belle journée, frère. Merci. Bonjour Kevin. C'est ce que vous avez fait tout de même. Hein? Bon, on ne sait pas qui on peut rencontrer sur le chemin. C'est quelqu'un pas qui peut changer notre vie. Hein? Quoi? De mélanger? Non, 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 quelque pas chose de mélanger le visage. Oui, vous arrangez votre visage, on ne sait jamais. Ah. Vous pouvez tomber sur un. Bon, pas moi, pas personnellement. Pas voilà, pas oui. Vous, justement. Mais pour c'est les une autres. Métaphore. Voilà. Justement, c'est pour ça qu'on renouvelle. Toujours. Au quotidien. Oui, les astuces. Hein. J'aime déjà votre petit. Merci, merci. Ça fait ça ajoute un plus, chose. Voilà. Ça fait comme le teint sur le visage. Tout à fait. Vous voyez, voilà. Justement. Je maîtrise. Voilà, vous maîtrisez. Ça vous va très bien, Kevin. Merci. Alors, merci encore de m'accueillir ce matin. Bonjour une fois de plus à tous les téléspectateurs. Oui. Et surtout à ces amoureux, voilà, de l'astuce beauté. Alors, ce matin, je vais parler du teint, toujours le teint. Et jusqu'à la fin de la semaine, le temps. Et on aujourd'hui, le temps, la peau, hein. Tout à fait. Voilà. Donc, on va nourrir un peu les cernes, donc les parties, les contours des yeux qui deviennent tout noirs à un moment donné ouais. de la vie. Bref, chez certaines, c'est donc peut-être vous passez la nuit devant l'écran ouais. ou encore vous manipulez trop votre téléphone. Voilà, quand je parle des écrans, il y a plusieurs écrans, petit écran, grand écran, comme la télé, votre téléphone, votre ordinateur, ou encore vous êtes quelqu'un qui ne se repose pas assez. Voilà. Yeah. Ensuite, vous allez appliquer cela de quelle façon? De quelle façon? Vous allez d'abord écraser, sec ou noir, ou frais, j'y arrive. Vous écrasez. Ensuite, vous utilisez son poudre que vous allez mélanger avec un peu d'eau. Ouais. Vous appliquez sur les contours de vos yeux. Faites attention que cela n'entre pas dans vos